Les amis, moi je vais être honnête avec vous. Moi, avec ce qui s'est passé, je me sens pas de rester en France. Je me sens pas bien en sécurité en France. Parce qu'on est venu m'agresser devant chez moi, dans mon jardin. La police veut divulguer mon adresse. Et franchement, je me sens pas en sécurité. Je veux dire, c'est pas normal que j'ai d'autres très belles montres, j'ai des bijoux en diamant, que je puisse pas les mettre parce que je sais qu'à Marseille, ils vont finir par me braquer ou par me voler. Donc à chaque fois, j'ai envie de partir le plus vite possible. Maintenant, j'ai pas mes cartes bleues. Donc là, je dois attendre de refaire mes papiers, je dois attendre de récupérer parce qu'ils m'ont vraiment volé toutes mes cartes bleues. Moi je me vois pas vivre en France, rester en France en prenant des gardes du corps. C'est pas une vie de se trimballer avec des gardes du corps. Je veux dire, moi j'ai pas le niveau de Kim Kardashian ou de Kylie Jenner pour avoir des gardes du corps. Je me vois pas du tout vivre comme ça. Moi j'ai envie de vivre ma vie pleinement, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie de sortir de chez moi à n'importe quelle heure sans avoir peur, j'ai envie de rentrer chez moi à n'importe quelle heure sans avoir peur. J'ai pas envie de surveiller la façon dont je m'habille pour pas qu'on me vole. J'ai envie de vivre sainement. J'ai envie de vivre normalement. Et en fait, en France, on peut pas parce que tu te fais agresser chez toi, tu te fais cambrioler, c'est quand même la police qui veut balancer ton adresse. La police te protège pas. La police s'en fout parce que t'es quelqu'un de public. Après, c'est vrai que les gens ils disent c'est normal, elle montre ce qu'elle a. Mais tout le monde à ma place vivrait de la même façon que moi. Et moi, j'ai pas envie de vivre caché. J'ai pas envie de vivre avec l'angoisse. J'ai pas envie d'avoir la boule au ventre. J'ai envie de kiffer ma vie. J'ai 23 ans. C'est pas normal d'être stressé, de faire des cauchemars et de se faire voler, chez soi, de pas être tranquille. C'est pas normal. Et moi, j'ai envie de vivre sainement et sereinement. Et en France, malheureusement, quand tu deviens connu, tu ne peux pas vivre sereinement. C'est pas vrai. À moins de me prendre des gardes du corps, je vois pas comment je pourrais vivre sereinement. Je veux dire, quand je pars de chez moi, je pars, j'ai la boule au ventre, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Je pars de chez moi, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un chez moi parce que j'ai peur qu'on vienne me voler. Alors oui, je suis assurée, mais j'ai pas envie que des gens ils viennent chez moi. Quand je suis pas chez moi, je ne suis pas sereine. Et quand je rentre chez moi, je ne suis plus sereine parce que je me suis fait agresser devant chez moi. Donc moi, de vivre comme ça dans le stress et dans l'angoisse, je veux pas. Moi, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie de vivre normalement et j'ai envie de vivre sereinement. Et malheureusement, en France, on ne peut pas. On ne peut pas. Voilà, les gens, ils se font cambrioler, ils se font braquer. Il y a eu des histoires où il y en a même qui sont rentrés chez eux, qui se sont fait braquer, ils se sont pris des coups de couteau chez eux parce que c'est des gens connus et c'est pas normal. Voilà, et moi, je suis plus bien ici en France. Je ne suis plus bien, je suis plus sereine. Je serais déjà partie. Hein. S'ils ne m'avaient pas volé mes cartes bleues, s'ils ne m'avaient pas volé mes papiers, je serais déjà partie. Mais là, je dois tout faire mes papiers et attendre de recevoir une nouvelle carte bleue pour pouvoir partir. Voilà. Mon amour, ma mère va me faire pleurer, elle en pleure. Non mais arrête. Allez, mais maman, c'est pas grave, tu viendras tout le temps me voir. Non, parce que ça me fait trop mal. Arrête, je veux pleurer moi aussi. Maman, j'ai dit que tu l'acceptais tout à l'heure. Ma mère, qui pense, j'en peux plus. Mais tu vas venir tout le temps. Tu vas faire des allers-retours, tu vas passer ta vie dans les avions, maman. Non, je veux pas vivre comme ça. Mais au pire, j'ai envie de quitter la France. Mon problème, il n'y a pas que toi. Il y a mon frère. Mais tu feras 2 semaines en France. Non, je peux pas vivre comme ça. Tu sais que je suis comme je suis. L'avion, tu dors dans l'avion, tu te réveilles, t'es à Dubaï. Hein. Allez. Je l'ai maudit. Allez, arrête. Je t'aime trop. Mes problèmes de famille, allez, arrête. Non, ça va. Tu vas venir tout le temps. Tout le temps.